Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour l'épisode 4 de Caravan, c'est ma troisième session si je ne me trompe pas. La dernière fois on s'est arrêté ici, dans le but, on avait fini la quête avec, avec le bandit, là, je sais plus son nom, Samael, c'était voilà, c'est ça. Et là on va faire le mercenaire assassin, ça va retourner à Timna et parler à votre travail. Bah oui du coup c'est ça, c'est terminé cette quête là en fait. Mais vu que là Timna c'est tout en bas. Aussi j'avais dit que ce serait sans doute le dernier épisode, bah je verrai bien en fait à l'issue de celui-là, de ma partie, que ça va donner, si on aura vraiment avancé dans la quête principale, à savoir trouver un allié puissant dans l'Arabie du Sud. On va voir, si vraiment j'avance bien, je sais pas, mais dans l'idée, j'ai l'impression un petit peu de traîner un peu là dans le scénario, donc d'être un petit peu bloqué en quelque sorte, donc du coup on va voir. Puisque je rappelle, le but c'est pas forcément de vous montrer tout, hein, c'est vous montrer plus que ce que je vous avais montré dans ma vidéo découverte. Je l'aurais fait à travers 4-5 vidéos à peu près, ouais, maximum quoi. C'est correct, moi je dis, pour ce que je voulais vous montrer. Donc là on a 3 héros là. Le long de la route, vous passez près d'une hutte qui a visiblement connu des jours meilleurs. Un homme et son âne se tiennent avant porte. Blablabla, on la connaît ça. Aidez-moi, j'en veux un. On n'a même pas le choix de l'aider. Voilà, nos trois héros là, c'est Barnabas, voilà, et Partalan. Lui, on l'avait trouvé dans une ancienne prison, je crois. Odeur suspecte. Ah merde. Ça consomme bien plus d'eau là, j'ai fait consommer une bonne partie de mon eau, bon, en retirant quand même le malus que je me suis tapé, mais dans l'idée 3 euros ça picole. Alors ah oui, lui il veut toujours rien savoir. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon inventaire? Ah oui j'ai ça, mais faut que j'ai un meilleur rang pour pouvoir me l'équiper cette épée. Bon va. Hop, par contre j'ai plus beaucoup de... Ah, peut-être falloir que je la vende mon épée là. Oui c'est vrai, elle voulait avaler 500 drachmes. Ouais, parce que je vais pas pouvoir forcément tout remplir. Bon allez, du coup par contre ce serait mieux de faire jusqu'à Chaboa. Ça va me coûter 10 euros. En espérant jusqu'à ce Timna je pourrais tenir. On va pas forcément très vite non plus, ouais, c'est vrai que vu qu'on est pas mal à pied. Salut. Vous croisez un groupe de bédouins à la tête d'un important troupeau de chevaux. Quand leur chef vous remarque, ils s'avancent vers vous. Oui. Salutations, nous sommes des éleveurs nomades. Désirez-vous acheter un de nos animaux pour votre belle caravane? Je vous garantis que c'est un des meilleurs chevaux. Ouais mais mec, je sais pas que je veux pas, c'est juste que j'ai pas le fric. Autrement, pourquoi pas. Bon, après je pourrais kicker un héros, notamment lui Barnabas là. Je pense que je vais le kicker lui. Désolé l'ami, mais... parce qu'il me consomme... 5 eaux quand même. Lui je crois qu'il a, ouais, il a un bonus de... Voilà, en eau en moins 3 eaux. Ouais. Ah oui, là on a un marchand, c'est pas ce qui m'intéresse. Non. Ouais, jusqu'à Timna. Ouais, je pense que je vais le kicker la Barnabas. Hein. Désolé l'ami, mais... Ça va me coûter trop cher en eau à chaque fois. Hein. Voilà, nous voilà un Timna. Je vais pouvoir rendre la quête. Là-bas. Avez-vous déjà puni l'assassin? Je vous remercie, mon mari peut désormais reposer en paix. Voici toute ma fortune en récompense. Oula, le son était fort. Toute ta fortune, c'est que 100 drachmes. Attends, je vais baisser le son déjà de mon côté, moi. 100 drachmes. Et sinon, j'ai récupéré une statuette d'obsidienne. D'obsidienne. Une petite statue d'obsidienne peut être équipée par toutes les professions. Santé plus 20, capacité plus 2. Ouais. Intéressant.
Intéressant, intéressant. Alors attendez. Ça, je peux l'équiper. Ça me fait santé plus 20. Là, voilà. Je sais que lui, il avait son bâton là, qui me servait juste pour la vitesse. Honnêtement, ça m'intéressait pas. Par contre, ça, ça m'intéresse. Clairement. Ah, et je peux passer un niveau cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon bâton d'eau. Mon bâton là qu'on avait. Bâton sain. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Je vais essayer de marchander. Essayer de marchander un peu. Si je peux avoir quelques dragues dessus. Donc là, les marchandages, ça se joue en un seul tirage. Il me semble que j'ai gagné. Ouais, c'est bon. Ok, 12 dragues, c'est toujours ça de prix. Ok, du coup, explorer l'Arabie du Sud pour trouver un puissant allié. Bah ouais, on est encore là, hein. Mais je suis... Alors, lui, on va le kicker. Voilà, désolé l'ami. Bam! Voilà. je suis sûr que Marib... Alors, c'était Chabot, il y avait un mec là qui nous envoyait balader, mais... Ok, Aden, qu'est-ce qu'on fait? On va revisiter Aden. On va revisiter Aden, ça se trouve, j'ai loupé des trucs, on va ouais, voir. Mais autrement, je suis un peu... ouais, je peux pas dire que je suis inquiet, mais... Je me demande si j'ai loupé quelque chose ou pas, quoi. Alors ici, ouais, il n'y a pas grand-chose ici. Hein. Sinon, il faut que je trouve un maître de guilde. Je sais pas si on avait un qui pouvait me faire passer les niveaux, mais je sais que c'était Akana. Zafar. Ouais. Là, je sais vraiment plus trop où aller. Hein. J'ai fait un peu toutes les quêtes qu'on m'avait présentées. Ici, bon, on avait éliminé les ghouls. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on pouvait faire? Un marchand ici, ouais. Peut-être que du coup, je peux vendre des outres. Non, ça me rapporte aucun argent. Donc, c'est pas la peine. On va aller à Marib. Hein. Je suis persuadé qu'il y a un truc à faire là-bas. C'est un peu la cité, ouais, une sorte de capitale des environs. J'ai vraiment plus de chance là-bas. Vraiment désolé, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais moi-même, je cherche. Sinon, on va continuer d'explorer. Lui, non, il peut juste nous soigner. Là. Ah bah c'est là, en fait. Hein, alors, soit je l'avais loupé... Soit je l'avais loupé, soit s'il n'y était pas, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé. Je pense que je l'avais loupé. Je m'en excuse. Alors, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait pour les nobles familles de Sana. Ah, peut-être que du coup... Ah non, peut-être que du coup, il fallait que je fasse des quêtes secondaires au préalable. Ah. Je vous en remercie et me permets de solliciter votre assistance à mon tour. Vous aiderez l'ensemble du royaume de Saba et gagnerez ainsi notre gratitude éternelle. Ce sera un honneur. Chaque année, j'organise le voyage de la caravane royale de Saba afin de distribuer des peuples et royaumes du Nord. Distribuer des peuples, ça veut rien dire. Suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons avec les créatures mystiques, le voyage risque cette année d'être plus périlleux. Vous avez fait preuve de votre capacité à mener à bien vos expéditions malgré les obstacles. Acceptez-vous de guider la caravane royale cette année? Oui, très bien. Excellent, je vais demander à mes hommes de se préparer pour le voyage. Alors, du coup, il me rajoute un héros supplémentaire. Je vais soigner. Voilà. Remplir mes outres. Et alors, escorter la reine de Saba jusqu'à Jeddah. C'est où cette Jeddah? C'est là où là, je suppose. Attends juste que le jeu réponde. Allô?
Voilà, Jeddah. Ok. Eh ben, allons-y. Alors, juste, on va... passer par Shabwa avant. Pour éviter de faire deux voyages, quoique finalement, ça revient peut-être un peu au même, ouais, bref. C'était juste pour éviter de faire une escale supplémentaire. J'ai envie de percevoir un petit groupe de personnes en vous approchant, vous remarquez qu'ils semblent tous souffrir de blessures diverses. Essayez d'aider les blessés. Vous avez réussi, les plaies sont pansées, le groupe est bien dans la meilleure posture. Leur chef s'approche de vous et vous offre 40 dragues. Bah merci, bien fait de le faire ça. Ça me fait presque pratiquement des outres remplies d'eau de gagner, donc ça c'est cool. Ce que j'aimerais bien, c'est trouver des marchandises pour que je puisse les revendre. Eh ben on continue la route, wesh. Comme Najran. Ok, c'est cool, ça a débloqué la quête principale, je suis content, mais il me semble qu'il fallait faire des quêtes principales, des quêtes secondaires justement avant de débloquer la quête principale avant. Donc ça aura pas été inutile de le faire, hein, clairement pas. D'ailleurs, j'ai pas vu ses capacités. Oui, je m'en fous. Alors, je vous en supplie, aidez-moi, j'ai un besoin d'urgent de médicaments pour ma famille malade, la récolte n'a pas été bonne cette année, je vous prie d'acheter cette âne. Demandez à votre sage d'aller voir la fille malade. Après quelques instants, votre sage revient, vous fait un signe de la tête, la fille semble avoir déjà un peu mieux, l'homme vous fait des offres, son âne, on dit de remerciements. Ouh, bah j'ai gagné l'âne gratos, cool. Alors oui, alors j'attendrai de regarder elle, là. Elle voit comme capacité. Pas mal. Oh, on soigne tous les héros de 25 points de santé par auxiliaire. Cool. Et du coup, j'ai gagné un âne. Par contre, qui va me coûter de l'eau. Ça va me coûter cher, tout ça. Ouais. Après, qu'est-ce que je peux en faire? Il me coûte plus qu'il me rapporte, dans un sens. Pas mal de marchandises, mais aucune marchandise. Bon, je vais le garder, mais dans l'idée si je pourrais m'en débarrasser, parce que ça va mettre un poids supplémentaire en fait. Ah, fait chier, parce que c'est des cadeaux, donc ça me fait chier un peu de les balancer comme ça, quoi. J'en aurais peut-être pas forcément aussi facilement à l'avenir. Ah bah tiens, voilà, j'en ai retrouvé un autre, un âne, là. Un âne se reposant l'ombre d'un gros buisson. Il n'y a pas une âme en vue, il semblerait que l'animal... Bon bah non, on va le laisser. Non, puis même lui, ça sert à rien que je le garde. Hein. Après que ça fait un auxiliaire, ouais mais non, je préfère le... Non, je n'en ai vraiment pas besoin, en plus ça me coûte plus que ça m'est bénéfique. Oui, je vais partir, donc... Tant pis. Ok, on arrive à Najran. Maître de guilde, lui, non, il peut rien me faire, non, il n'y a que des auxiliaires. Là, du coup, je pourrais prendre un auxiliaire supplémentaire qui me coûterait 0 eau. Pour 200 drachmes. Ouais, non, c'est trop cher pour ce que. Ah, c'était lui là, qu'est-ce qui vous amène? Ah, c'était lui là. Il doit y avoir une quête après supplémentaire à faire. Alors, pour aller jusqu'à Jeddah, est-ce que j'ai suffisamment d'eau? 27, bim! Ah ouais, c'est loin en fait. Ah non, c'est n'y pense même pas quoi. Enfin, si, il faut que j'y pense, mais. Faut que je prenne les ressources nécessaires. Eh ben, allons-y, faisons le grand voyage. Il va y avoir plusieurs quêtes d'ailleurs là-bas. On verra bien voir ça. Quand votre caravane s'approche de Jeddah, un spectacle révulsant s'offre à vos yeux. Plusieurs cadavres ont été entassés et de grands oiseaux noirs ont commencé à s'en nourrir. Enfin, commencé, il y a même une faute aussi là. Une inscription est placée à côté des corps. Que ceci serve d'avertissement à tous les charlatans qui tentent de tirer profit de la souffrance du roi. Quiconque propose des soins et n'est pas capable de tenir sa promesse sera condamné à mort. Ok. Avertissement. C'est un peu con d'empêcher ouais, les fautes d'orthographe comme ça là ou des fautes de syntaxe. Hein. Ça nuit un petit peu à l'immersion.
Alors je sais pas si c'est une traduction faite à la va-vite ou... Enfin je sais pas trop comment la traduction a été faite du coup. Mais c'est bien que le jeu soit, voilà, en français autrement quoi. Là-dessus, je critique pas, hein, loin de là. Tempête de sable fait rage, la chaleur et les vents vont rendre ressentir ces 2%. 6 heures de repos pour cette heure peut avoir des conséquences négatives. Un itinéraire pour continuer la tempête. Ah bah on peut faire ça, l'éclaireur. On va essayer du moins. Ça me fera moins de temps à attendre. Ok, je pouvais soit me reposer, attendre que la tempête passe, soit je pouvais avoir l'éclaireur pour que j'attende moins longtemps. Ou alors je prenais le risque de traverser la tempête. Avec des effets négatifs derrière. Ok, on arrive à Jeddah. Ça va être limite niveau haut, mais on va arriver. Encore un âne. Non, c'est le même, tu sais. Non, désolé. Désolé l'ami, mais... J'aurais pas de quoi te faire boire. C'est quoi ces petits logos, là? Est-ce que seulement c'est ouais, juste pour marquer qu'on a un truc? Ok, alors on arrive à Jeddah. Oula, oula, il se passe la même chose, là. Chapitre 2. Les Bédouins d'Arabie centrale. After successfully escorting the Queen of Sheba to Jeddah, Shabba. You find yourself amidst the Bedouins of Central Arabia. Shiba, Shaba. Les prononciations particulières. Still unclear to you, but you have a feeling that the appearance of these mystical creatures and the way your charm. Ah, j'ai absorbé le djinn. Ah oui, qu'il y avait dans l'amulette plutôt de mon père là. Donc t'as lien avec votre destinée, d'accord. Alors, la caravane royale, ok, cool. Ok, là. Reine de Saba, merci de votre aide, je vais me reposer un peu ici et m'entretenir avec le roi de Jeddah. Retrouvez-moi dans le palais quand vous désirez continuer notre voyage vers le nord. Avec un sourire, la reine vous laisse et s'engage sur la longue montée qui mène au palais royal de Jeddah, accompagnée de sa suite. Ok. Ok, bah parfait tout ça. Bienvenue en échange d'une modeste somme, non, je m'en fous. Ah, maître de guilde, est-ce qu'il pourra faire... Non, pas toi. Lui. Est-ce qu'il va pouvoir me faire passer un niveau? Ah, oui. Yes. Ah, par contre, ça coûte... Ah, merde, ça coûte de l'argent. Fuck. Merde. Ah, zut. Bon, alors, elle. Je dois bientôt épouser un riche marchand de... Ah, elle. J'en brûle d'excitation. Ok. J'aime bien le ok. Ah, j'ai que 400. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir. On passera à notre niveau plus tard. Fais chier. Ok. Un homme d'apparence aisée se tient à proximité du marché. Je s'avance à votre approche. Salutations, j'ai entendu dire que vous faisiez partie de la caravane de la reine de Saba. Notre roi souffre d'une fièvre qui le fait délirer. Nous sommes à la recherche d'un sage nommé Zacharias. Ah, mais oui, d'accord. Qui pourrait être en mesure de le guérir. Pourriez-vous nous aider à le trouver? Purée, mais je sais où est-ce qu'il est. Ce serait un honneur. Excellent, il était vu la dernière fois dans la cité de Najran, ouais, c'est ça. Oui, il passait d'une maison. Faites le voyage jusqu'à là-bas. Ah, faut que je fasse tout le voyage. Ah, par contre, ça, c'est un peu chiant, quand même. D'accord, ok. Ah, j'aimerais bien passer mon niveau, quand même. Une épée... Ouais, bah du coup, niveau, une épée courte utilisée par les Grecs, peut-être équipée par... Lui, là, je lui ai donné quoi comme... Comme attribut, avec besoin d'eau, ouais, non, c'est pas mal. Une épée courte utilisée par les Grecs, utilisée par toutes les professions, défense, attaque. Vous savez quoi, je pense que je vais la vendre. Ouais, je suis comme ça, moi. Santé plus 20, capacité plus 2. Ça me fait une santé de 178. Qu'est-ce que t'entends par capacité plus 2? D'accord, ouais. Je vais la vendre uniquement pour passer mon niveau, ça me fait chier, mais... Si je veux passer mon niveau, voilà, bam, voilà, comme ça du coup lui va pouvoir m'augmenter mon niveau. Voilà, parfait. Du coup, eh ben on retourne à Najrad, lol. Bon ça va, c'est direct. Ah et après, d'accord, on a débloqué Yathrib, ok cool. Bon, on va aller à Najrad. Ça va me coûter moins d'eau aussi, parce que j'ai pu l'autre, là, Saba, la reine Saba.
L'odeur suspecte. Ah merde. Bon, vous savez quoi, on va prendre le risque. Merde, mes hommes tombent malades. Fuck. Et du coup, effet négatif, oui. Et il va crever, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok, il est malade, on va voir ce que ça va lui faire sur le long terme. Mais je voulais vraiment pas perdre mes outres, là. Chier, quoi. Peut-être que pour un combat, il perd. À moins que... Non, j'ai l'impression qu'il perd un petit peu de vie progressivement. Il faudrait que je le soigne, alors. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non. Je n'ai pas d'argent suffisamment. Désolé. Un cheval. Oh! S'approcher de l'animal. Lorsque vous vous approchez du cheval, il se cabre en hennissant puis recule quelque part. Ouais, vas-y, à vous après son rendement de la bête. Juste pour savoir si. Si, comment dire, il me coûte de l'eau ou pas en fait. Consommation 2. Ouais, non, c'est ça, désolé l'ami, mais. Je vais pas pouvoir te garder avec moi. Ah, c'est chier, parce que du coup, ça pourrait être intéressant, mais. Je pourrais pas m'en occuper convenablement. Allez, c'est bon, on arrive à Najran. Pouvoir enfin parler à celui qui à chaque fois m'envoyait bouler. Alors, je suis aussi au nom du roi de Jeddah, je veux m'entretenir avec votre maître. Mon maître n'accepte aucune visite en ce moment, acceptez mes excuses plus sincères. Je ne voulais pas déranger. Wouah, 750 pour le payer. Oh. Mais je vais faire comment, moi, j'ai pas assez de fric, wesh. Bah non, j'ai pas suffisamment. Oh, purée. 750. Putain. Un contrat, enfin... Le truc, c'est que j'aimerais bien avancer. 600, 750, ça va être tout pile, quoi. Et puis, je pourrais même pas acheter de l'eau après, quoi. Et ça, c'est combien? 1250. Huh. Bon. Ce que je vais faire... Ah, j'ai l'impression de perdre à chaque fois, mais bon, si je veux avancer dans l'histoire... Là, l'idée, c'est en gros, je vends ça... Et je kick par Talan. Ouais. On va faire ça. Bon alors, marchand. Alors, non, déjà... Voilà, désolé l'ami. C'était un plaisir. En plus, il était malade ou je sais pas quoi. Non, c'est bon. Trop tard, boum, je l'ai plus. Ah, fait chier, j'aurais bien aimé les garder quand même. Hein. Ah, du coup, je vais vendre ça. Je peux essayer de marchander. Allez, attends, qui... pas assez d'argent. Comment ça, pas assez d'argent? Elle a pas assez d'argent. Ah, merde. Ça serait con, ça. Allez. Ok, je lui vends à bon prix, mais le marchand n'a pas assez d'argent de Dragon Blue, tout de même la vendre. Oui, mais... Ok, bon. Toi, là. Espèce d'escroc. Mais ne me paye pas beaucoup, quelques pièces supplémentaires seraient les bienvenues. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon maître Zacharias s'est enfui de la cité en entendant parler de la peine de mort. Il se cache à Karyat Alpha. Ah, ils me font tourner en bourrique, hein. Karyat Alpha. Let's go. Ah, misère.
Le doux son de l'eau qui s'écoule vous fait croire à la présence d'une source proche, mais vous finissez par remarquer qu'il provient de vos outres. Et merde. Oh, misère. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que je vais terminer en game over et que je pourrais plus faire grand-chose, quoi. Ce qui m'obligerait à recommencer une partie, bon, ce qui serait en soi pas grave de mon côté, puisque je saurais un peu comment ça fonctionne. Ouais, je peux peut-être les aider, trop tard. C'est pas trop grave, je veux dire, si je recommence une partie, hein, voilà, je saurais où est-ce qu'il faut aller, ça me permettra d'économiser des fois, sans doute, de l'argent. Bon, c'est toujours un peu chiant, voilà, de faire un game over de cette manière. Ok. Zacharia. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous je voulais? Je suis ici pour étudier. Le roi est malade, a besoin de votre aide. Bam, viens avec moi. Exécute tous ceux qui ne répondent pas à leur exigence. Je ne suis pas sûr de pouvoir soigner le roi et je crains... Ah oui, bah oui, c'est le panneau, ouais. Je comprends votre inquiétude, mais vous devez m'accompagner. Oh, quelle détresse. Le roi est donc décidé à me prendre à la vie. Allons-y, héros supplémentaire. Bon, bah, je vais faire le plein d'eau, voilà. Et on va aller à Jeddah. J'espère qu'il y aura une coquette somme qui m'attend. Un groupe d'hommes armés à l'allure sauvage barre la route à votre caravane. Vous avez trouvé Zacharias, livrez-le nous. Mes hommes et moi l'escortons en personne jusqu'à Jeddah. Plutôt mourir. Enfin non, je veux pas mourir, hein, mais... Rang 6, bim. Alors là, je suis rang 4. Ah, Zaka, c'est rang 8, mais bon, il a pas des stats énormes. On va essayer avec Ashan. Hein. Puis au pire, on va redémarrer la sauvegarde. Ah, purée. Purée. Avec un peu de chance, je peux le battre, mais il a quand même pas mal de vie, non? Il a quand même pas mal de vie. Ouais, je ferai que 20 dégâts, quoi. Ouais, ça va être compliqué de cette affaire. Hein. Ouais, je fais 0 de dégâts, quoi. Ah, oh, purée, non, là, c'est bon, on peut même pas espérer. Pas la peine d'y penser. Ouais, bah c'était avant, il fallait que je lui fasse tout ça. Hein. Parce que du coup, ça c'était scripté, je sais pas. Je suis mort. Dernière sauvegarde, ouais. C'est pas grave. Ok, on reprend, blablabla. Alors ça, non, c'est bon, je reparle à lui, blablabla. On va bien voir hein, si on a encore, puis bah, on va le laisser autrement, mais bon. Je doute que les personnes qui nous ont arrêtés sont bien intentionnées. Vous commencez à avoir la nausée, vous pensez d'abord que c'est dû à la chaleur, mais vous réalisez que d'autres membres de votre caravane sont dans le même état que vous. Merde, on va se reposer. Bon, bah, soit. Je préfère ça que se faire attaquer par des bandits, honnêtement. Croisez un marchand dans le désert, elle vous dit qu'il a endommagé une partie de son équipement et demande si vous pouvez l'aider, que vous voulez faire. L'aider... Vous suivez le marchand jusqu'à son dromadaire, soudain il sort une dague et la pointe vers vous. Et merde, essayez de s'enfuir, je le savais en plus. Il nous rattrape. Bon.
Eh ben, on va encore mourir. J'ai l'impression, youpi. Allez. Désolé, hein, j'y peux vraiment rien. Je sais pas, avec un peu de chance, on va y arriver, mais bon. Laissez-moi quand même en douter. Oh, je lui fais zéro dégâts, quoi. Vous savez quoi? J'ai même pas envie de le faire. Dernier point de contrôle, allez. Ça, là-dessus, c'est vraiment un point négatif que je mets au jeu, c'est qu'on peut pas abandonner les combats. On est obligé, justement, de mourir, en fait, des fois, de se laisser avoir un game over, parce que, bah, on n'est pas suffisamment fort, hein. On reçoit pas forcément l'argent pour acheter des compétences suffisantes, on n'a pas le niveau encore requis. Ça, c'est un peu mauvais, honnêtement. Ça casse un petit peu la dynamique du jeu, qui est déjà très lente. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? Bon, allez, très bien, je vous le donne, là, voilà. Je savais que vous soyez raisonnable, nous allons également vous prendre 400 dragues pour la peine. Quoi? Non! Ah, ok, d'accord, c'est obligé, quoi. Oh, putain. Ah, bizarre! Je veux juste aller. Putain, mais la route est super compliquée. Ou alors, ouais, justement, la route est trop compliquée, faut que j'en prenne une autre. Possible. On va essayer ça, parce que bon, tous les coups, je vais crever. Enfin, je donne pas cher de ma peau, on va dire. Hmm. 95, bam, ça fait mal ça. C'est moi qui me l'ai pris, hein. Eh bah youpi, j'ai le bug. Ouais, comme ça. Ah, j'ai pu faire le dernier point de contrôle. Tiens, normalement, à chaque fois, je devais redémarrer le jeu. Mais j'ai encore le petit jeton, lol. J'ai encore le jeton, là. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre la même route. On va aller à Najran d'abord, même si ça nous rallonge. C'est pas grave. Si je peux éviter que de me faire attaquer sur la route, ça sera toujours ça de prix, j'ai envie de dire, parce que... Tu peux avoir le bol, il y a le jeton qui est là. Ah, hey, salut. Groupe de bédouins. Nous sommes éleveurs nomades, des avions achetant nos animaux. Non, désolé. Je suis en mission pour le roi, voyons. Très longtemps, je pense que je suis sur cette vidéo. Ok, des morts. Ça, on la connaît celle-là. Hein. On connaît cet événement aléatoire. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps, mais bon. Il se passe aussi pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Alors, on remplit. Voilà. Et on fait la route jusqu'à Jeddah en espérant que tout se passe bien. Ça, j'aperçois une plante très rare qu'il faudrait ramasser pour créer un médicament. Je demande d'arrêter la cabane afin qu'il puisse l'accueillir. Bah vas-y mec, fais-toi plaisir. Ah merde, ça a juste été inutile. Bon bah c'est pas grave, ça m'a rien coûté de particulier. Le jeton qui est là. Le jeton. Ah là là. Bon, tant que ça me dérange pas pour jouer, je m'en fous à vrai dire. Tant que ça fait pas planter le jeu plus que ça. C'est pas trop grave. Salut. Il me dit qu'il est endommagé une partie de son équipement. Non. Je veux pas savoir, désolé. Ça pue. Ah, je me suis déjà fait avoir. Je pense que vous êtes très bien intentionné, messieurs, dames. Mais là, j'ai vraiment pas le temps. Allez, 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 on peut arriver à Jeddah sans accroc.
Peut-être que du coup, là, la route est plus sûre de en passant par Najran. Hein. Elle est certes plus longue, mais elle est plus sûre. Eh ouais, mon gars, eh ouais. Eh ben, je suis content d'avoir fait ça. Moi, je suis retourné à Jeddah, sain et sauf. Alors... Ah, vous avez trouvé Zacharias le sage. Excellent, je vais escorter jusqu'au palais du... Beau travail, voici votre récompense. Ouf, 400 dragues. Ah, ça c'est bien, et 560 d'XP. Ok, perfect. D'accord. Lui, là, est-ce qu'il va pouvoir me faire quelque chose? Est-ce que je peux avoir un auxiliaire pour pas cher? 200. Ouais, non. Elle va se marier. Je m'en ai rien à foutre. Voilà, Zacharie le sage. Ok, bon, on va continuer la quête un peu vite fait. Le sage en trouve à peine la porte et vous regarde fébrilement. Ah, c'est vous, vous tombez bien. J'écoute. Tenez, le roi s'avère plus difficile que je ne le pensais, mais les médicaments n'ont pas eu le moindre effet. Cette maladie a quelque chose de surnaturel contre lequel il m'est difficile de combattre. Mais je connais un mystique qui vit parmi les Bédouins. Peut-être pourra-t-il nous aider. Hélas, je suis assigné à résidence par décret royal. Je ne peux pas quitter la ville. Pourriez-vous rapporter un message à Aïl? Ma part, avec plaisir. Je crois que j'ai pas le choix, de toute façon. Cherchez le mystique Zayed à Aïl et apportez-lui ce message. D'accord. Ça se trouve où, ça, Aïl? D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la route jusqu'à Yathrib. Et je vais m'arrêter là. Donc c'était le chapitre... On a recommencé le chapitre d'eau. Chapitre 2. Chapitre d'eau. Allez, voyager. Oui, vas-y. Et alors, je sais pas combien de chapitres il y a, mais je vais m'arrêter là et... Bah, c'est possible que je continue le let's play, finalement. Je sais pas trop. En tout cas, pour cette vidéo, cette session de jeu-là, je vais m'arrêter ici. Et on peut pas vous guider dans les ruines, apparemment, abandonné au milieu d'une oasis. Fouiller les ruines. Mais que du sable, ok. Je vais m'arrêter à Yathrib, et je continuerai plus tard. Voilà, je veux bien voir. Au pire, ouais, je sais pas, je verrai bien ce que je ferai. En tous les cas, pour aujourd'hui, moi, je vais terminer. On va enfin avancer dans la quête principale, ça c'est bien. On va croiser un groupe de bédouins, blablabla. Non, désolé, merci, au revoir. Pas besoin d'animaux, j'en ai déjà. Non, il n'y a aucune marchandise. Yathrib. Voilà. Ok, bah il y a des marchands. Bon, bah on va s'arrêter là. Pour l'épisode 4 donc de Caravan. Je ne sais pas si je continuerai après ou pas. Seul l'avenir ne le dira. Voilà. Merci et salut.